Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser le défi, trouver les 7 nains glacés. Alors ce sont 7 nains glacés sur la map de Fortnite Battle Royale et je vais vous les montrer un par un. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les notifications, c'est très important si vous ne voulez pas perdre du temps à chercher comment réaliser votre défi. Voilà, chaque semaine je vous montre l'emplacement de l'étoile ou de la bannière secrète, les défis en avance, je vous montre comment réaliser vos défis, etc. Donc voilà, donc il y a 7 nains sur la carte à trouver, vous n'avez pas l'obligation d'avoir le pass de combat payant pour pouvoir le faire ce défi. Si vous ne récoltez pas les 7 nains glacés, ça va être assez compliqué. Ces nains, ils sont pas durs à repérer et à distinguer, surtout ils sont vraiment pas très cachés, même s'ils sont à plein d'endroits différents sur la map. Alors sachez que si jamais vous les cherchez et que vous les trouvez pas, ils vont faire un petit bruit. Bon, de toute façon, si vous regardez la vidéo, vous n'avez même pas besoin de les chercher, vous avez juste à regarder où est-ce que je vous montre et comment aller les chercher. Franchement, c'est très simple, n'hésitez surtout pas à le faire en mode domination disco, il est disponible aujourd'hui. Si jamais il est plus disponible lorsque vous ferez ce défi, parce que oui, vous pouvez regarder cette vidéo un petit peu plus tard, bah, n'hésitez pas à faire un mode de jeu assez simple où vous pouvez réapparaître. On sait jamais, des fois qu'ils remettent le bataille gourmande, etc. Bon, en terrain de jeu, c'est pas la peine les gars, ça ne marche pas, donc ne perdez pas votre temps à le faire en terrain de jeu. Pour ma part, je les ai fait en domination disco, c'est vraiment super simple. Si vous mourrez, normalement, vous pouvez réapparaître. Bon, personnellement, je me suis même pas fait toucher, ni même tuer. Voilà, donc le dernier, il est là, voilà. Bon, si pareil, vous êtes dans la tempête, ça marche quand même, vous inquiétez pas, le nain ne disparaît pas. Donc franchement, pas d'inquiétude à avoir. Ce qui est pratique avec ce mode domination disco, c'est le planeur illimité. Franchement, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment un pur bonheur de faire ce défi avec ce mode. Franchement, c'est hyper simple. N'hésitez pas d'ailleurs à faire pareil pour vos autres défis, je pense que ça vous simplifiera la tâche. Donc sur ce, les gars, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre votre plus gros pouce bleu, ça fait énormément plaisir et en plus, ça m'aide beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications et à partager la vidéo à vos potes pour les aider. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !